et Marine ce soir à Reims, parler à vrai donc pour de la Coupe de la Ligue. Les deux équipes qui se sont déjà rencontrées une fois en Coupe de la Ligue, c'était lors du premier tour de l'émission 2005-2006. Et le Havre était venu s'imposer ici même au stade Auguste Delaune 1-0. À l'époque, le Havre était entraîné par Thierry Huvenard. C'était d'ailleurs la dernière victoire havraise en terre rémoise. Eh bien, on va voir ce soir si les Normands vont retrouver le goût du succès ici dans la Marne. Et le premier long dégagement de Placide. Système de jeu où on met côté rémois. Cédric Fauré seul en pointe et des garçons qui, comme Fortes, qui vont très très vite sur les côtés. Je suis persuadé qu'on va obtenir un match nettement plus ouvert que le match de championnat il y a 3 jours. Ça me fait penser que les deux derniers matchs qui se sont déroulés ici à Reims entre Reims et Le Havre, il y a eu énormément de buts. C'était en Ligue 2. En 2007-2008, ça avait fait 3 partout. Et la saison d'avant, Reims s'était imposé 3-2. Des matchs toujours très ouverts entre ces deux formations et entre deux coachs qui aiment le jeu offensif. Ouais, attention à cette première ouverture. Le centre en retrait repoussé par l'axe central rémois. La relance en direction de Fauré. La bonne ouverture de Fauré. Attention là, ça peut aller vite. Ça va aller vite dans le trou. C'est bien combiné côté gauche. Fortes est de la surface au point de pénalty, le centre, fuyant vers le deuxième poteau. Et le ballon toujours rémois. Et Alfred qui a l'habitude est un arrière très offensif sur son couloir. Allez, le ballon repoussé par la défense havraise, on se dégage comme on peut en joue long. C'est un petit peu aussi son défaut parce qu'il a tendance à vouloir jouer énormément de l'avant. Pour un défenseur, c'est un petit peu ennuyeux. Fofana qui a ouvert côté droit. Fofana qu'on a découvert durant le championnat d'Europe des moins de 19 ans qui a eu lieu en Normandie cet été. Les Français sacrés avec ce Havre. Ouais. Gaïda Fofana, 19 ans. Natif du Havre, est formé au club évidemment. Allez, Jovial qui va aller au pressing. Le ballon récupéré par les Rémois. Tac Alfred. Faut pas la perdre dans ce secteur de jeu. Le relais avec Gisolfi. Encore Tac Alfred qui va chercher le jeu. On l'a vers Fortes, l'attaquant du Cap Vert. Florent Gisolfi qui arrive direct de Bastia. C'était un garçon qui était des pièces maîtresses du club corse et qui est arrivé cette année à l'intersaison du côté de la Champagne. Il a raté un petit peu le début de saison, handicapé par une blessure, par un point de contracture début août. Allez, Gamboa, le centre de Gamboa. Et le ballon repoussé au point de pénalty par le Marchand. Dites-moi, ça fait pratiquement 3-4 minutes que le ballon n'est pas sorti. Ouais. On est parti sur un rythme assez élevé. Bien joué, Tac Alfred. L'ouverture vers Fortes, côté droit. Allez, il va repiquer dans l'axe, l'attaquant capverdien. Oh, bien joué, bon, bien joué. À l'entrée de la surface, le décalage. Attention. Et peut-être l'ouverture du score, lancé au-dessus. Il avait pris son temps. Un peu trop, on va dire. Et ouais, Ludovic Gamboa. Ouais, il a pris son temps, comme vous le signalez. Là, à la limite, le contrôle, il s'en sort bien. Il aurait pu la jouer personnel. Et non, il décale complètement sur le couloir gauche. Et là, il prend trop de temps. Il veut trop mettre sa force. Le bon décalage de Amalfitano. Dites-moi. On n'est pas venu là. Ce soir, en tout cas, on n'est pas venu pour chômer. Et du rythme d'entrée dans cette partie entre Reims et Le Havre. En général, Fabien, quand ça commence sur un rythme élevé comme ça, ça va être tout feu, tout flamme. Fontaine, côté droit face à Ishan, contré. Jean-Pascal Fontaine, mais qui n'obtiendra pas de corner. Le ballon sera pour les stadistes, les joueurs de Reims. Je vois qui, Ishan, qui vient de lui transfuge de Laval, ouais, qui est, malheureusement s'est blessé. Et puisque vous parlez de blessures, oui. Je suis à côté de Johan Liebus, le gardien rémois qui malheureusement ne joue pas pour le moment. Oui, on a passé un IRM cet après-midi là, à 17h pour voir la gravité de l'entorse. Et la plus sage décision a été de faire l'impasse sur ce match pour être opérationnel vendredi contre 3. Emmanuel Martin fait son baptême du feu donc pour l'instant.
Oui, il avait déjà fait un match de Coupe de France l'année dernière, donc ici à Delaune aussi. Et là, c'est son premier match de Coupe de la Ligue. Et, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour lui. Il est là, à l'échauffement, il était bien, il était chaud bouillant. Donc je pense qu'il a envie de montrer à tout le monde ce qu'il vaut. Merci, Johan. Tel qu'un match à enjeu, hein, comme ça, pour débuter une carrière. À 20 ans seulement, hein, Emmanuel Martin, formé au stade de Reims, il découvre, hein, le haut niveau. Allez, tac, Alfred qui a sauté plus haut. Fortes maintenant, et le coup de sifflet de Monsieur Rémy pour cette faute de Le Marchand. Oui, Maxime Le Marchand qui a fort à faire entre tac, Alfred. Et surtout Fortes qui, on l'a vu tout à l'heure sur l'occasion, s'est amusé et s'est baladé et a passé en revue trois défenseurs à vrai avant de la glisser à Malfitano, qui est le petit frère du Lorienté. De Morgane. Ouais. Qui arrive, lui, transfuge de Evian. Evian Thonon Gaillard, hein, qui a très bien commencé la saison en Ligue 2. On le sent, hein, on le sent dans les prises de balles, on le sent dans l'activité, dans les courses des garçons qu'ils sont en forme. Ils ont du jus ce soir, ça se sent. Allez, la remise en jeu de tac, Alfred, ça sera long dans la surface. La déviation peut-être de Gamboa et le ballon récupéré par Johnny Placide, le franco-haïtien, international espoir. Oh, attention, faut pas, oui, parce que jovial. Ah, il s'est pas raté là, Mathieu Fontaine. Ouais, il valait mieux la prendre, hein, Mathieu Fontaine. Encore Jovial qui réclamait le ballon. Il a été obligé de batailler pratiquement à lui tout seul, hein, dans l'axe central. Enfin, sa défense centrale assez physique côté rémois. Allez, le ballon dans les pieds de Hala maintenant. Oui, le ballon vers Jovial, signalé hors jeu finalement. Et il était sorti au devant, Emmanuel Martin, de l'attaquant à vrai. Alors, on va voir si Fred, ce soir, qui officie sous cette grosse chaleur, s'il y a hors-jeu ou pas. Oui. Il a l'air en avance, effectivement, oui. Brice Jovial. Et on revoit la bonne sortie, hein, tout de même, de Emmanuel Martin, qui avait anticipé le jeune gardien rémois. Ouais, heureusement que Jean-Pascal Fontaine a fait le petit pas qu'il fallait pour mettre en position. Bien joué, c'est la tension. La part de Forêt, cette remise en première intention vers Amalfitano. Ah oui, elle était toujours superbe, aussi utile, hein, Cédric Forêt. Ah bah c'est le chouchou, hein, c'est le chouchou du stade de Reims. Meilleur buteur du national l'année dernière, Forêt, 25 buts. Non, de toute façon, Cédric, c'est en général, c'est entre 15 et 20. C'est le quota. Oui, c'est le quota. Il y a plus de difficultés en première division, mais par contre... C'était un des gros ténors, un des gros buteurs de la seconde division. Là, il n'y a pas hors-jeu. Allez, une bonne ouverture côté gauche pour Gamboa. Le centre de Gamboa contré, ça sera un corner en faveur des stadistes. Premier corner en faveur des joueurs du stade de Reims. Corner obtenu par Ludovic Gamboa. Ouais, Gamboa qui prend un peu trop de temps. On l'a vu tout à l'heure sur la frappe. Et là, on le voit, il avait fait le décalage, ouais. la différence. Il faut savoir la jouer instantanément. Ah, bien sûr, ça, on prend plus de risques quand on joue à une touche ou une frappe sans contrôle. Mais ça fait deux fois qu'il se fait récupérer la différence qu'il fait. Allez, le corner pour les stadistes. Frappé, premier poteau, repoussé par Hala. Le ballon rentré vers tac, Alfred. On va jouer côté droit cette fois-ci. Un peu long, non. Ouais, il peut sortir. Le centre de Krikovia qui n'a pas pu redresser cette balle. Le milieu de terrain polonais, prêté par les Girondins de Bordeaux, hein. Le voilà, Grégor Skrikoviak, finaliste, hein, de la Coupe Gambardella en 2008 avec les Girondins. Tous ces jeunes joueurs ont besoin de temps de jeu, hein. C'est des bonnes solutions de se faire prêter soit en National ou en Ligue 2, parce qu'ils sont habitués à jouer depuis, pour certains, 2-3 ans en CFA ou en CFA 2, dans des réserves pro. Et à un moment donné, quand ils sont un peu justes, avec tel qu'un apprentissage en Ligue 2. Le mercato, il n'est pas terminé du côté du stade de Reims. Avant le match, on a vu Lucien Aubet, qui était la dernière recrue du stade de Reims. Il va venir renforcer la défense marnaise.
Ça, c'est une bonne recrue, ça, Xavier. Hein, Lucien Aubet, qui est habitué aux joutes de la Ligue 1. Et bien voilà, il vient se relancer ici à Reims. Qui est bourlingué, mais le stade de Reims avec le président Caillot. Et bien le voilà, merci voilà. Fred, hein, Lucien Aubet dans la loge. Avec le président Caillot, qui a l'habitude de flairer les bons coups, hein, qui aime bien ça. Il a quand même attiré des garçons comme Luis Fernandez hein, pour entraîner. Avec la réussite qu'on connaît ou pas. Mais en tout cas, il a toujours su attirer des joueurs pour cette région et pour son club. Voilà, qui cherche une solution dans l'axe. Oh, c'est dangereux dans l'axe. Voilà, ouais. Oui, il s'en sort bien. Il y a le contre qui s'enclenche côté normand avec Alain encore plein axe. Ah, bien là, c'est bien joué. Là, Jovial qui n'est pas hors jeu. Jovial dans la surface. Oh, la frappe de Jovial. Elle est trop croisée. Oh, lui qui avait été le bourreau des joueurs du stade de Reims vendredi à Deschazeaux, il a bien failli ouvrir le score au bout de 10 minutes de jeu. Ah, il va vite, on voit qu'il a dû. Là, c'est bien joué la part de Alain qui avait fait le décalage tout de suite. Et là, Jovial, il fait l'action parfaite. Hein. Il va aller, il suit l'extérieur pour empêcher le retour du défenseur. Et automatiquement, notre ami. Et ça gronde, ouais, et ça gronde derrière, hein, parce que là, il y avait de l'espace pour les Normands. Ah, parce que notre ami Fontaine, il était pris là. Il était pris par le contrôle orienté au départ d'Ala. Attention, parce que Brice Jovial, quand il part dans le dos comme ça. Oh oui, il aura fait extrêmement mal en championnat vendredi dernier. Il avait marqué à peu près le même but hein, à Deschazeaux. Mais là, la frappe était trop croisée, là, malheureusement, pour l'attaquant Avray. Décidément très en jambes, hein, Brice Jovial, le natif d'Aubervilliers. Là, c'est dangereux. C'est pas un cadeau. Allez, on repasse par Johnny Placide, obligé d'allonger le jeu. Le Marchand qui cherchait Jovial justement. Krikoviak maintenant avec Fortes qui va rejouer avec le milieu de terrain polonais. Gisolfi. Ouais. Les Rémois qui alternent hein, les phases de jeu, les solutions. Attention à ne pas se faire prendre. Et le pressing qui a failli être payant. Hein. Ouais, beaucoup de risques quand même, mais on les sent les Havrais. Hein. Dès qu'ils peuvent planter une banderille, en contre, ils le font. Ils jouent très très bien les coups à 2-3. Dans le dos de la défense centrale. Comme les Rémois sont joueurs, mon cher Fabien, il peut y avoir quelques. Ben on est en début de saison, hein. Quelques erreurs techniques qui peuvent. Certainement, ouais. Certainement. Et le ballon récupéré par le solide Julien François. Qui est arrivé de Tours, hein, lui, cet été. Et à mes côtés, Cédric Dory, entraîneur du HAC, on vient de voir une belle occasion de Brice Jovial. Le HAC a-t-il résolu son problème d'entame ? Oui, déjà, le match de vendredi, notre entame n'était pas si mauvaise que ça, même s'ils avaient concrétisé leur première occasion et la première fois qu'ils étaient venus dans nos 16 mètres. Parce qu'on n'a pas forcément souffert là sur cette bonne action. Donc, c'est très bien qu'en coupe et en règle générale, dans la compétition, il faut se montrer efficace. Donc, on est pour le moment pas mal rentré dans le match. On est bien en place. Maintenant, il faut exploiter au mieux encore les récupérations du ballon, prendre un peu plus confiance et aller jouer un peu plus chez eux. Mais c'est pas trop mal pour le moment. Beaucoup de joueurs jeunes au HAC qui ne connaissent pas forcément la Coupe de la Ligue. C'est particulier pour eux ? Oui, c'est des challenges intéressants. C'est des challenges de groupe. On a insisté là-dessus. Il y a toujours une histoire à se construire et à écrire sur des parcours en Coupe. Et ça arrive à d'autres et pourquoi pas à nous. Donc c'est à nous de nous le construire à travers des efforts, du jeu, de la détermination et de l'efficacité. Vous avez fait rentrer Fofana dès le début de la rencontre. Vous avez encore de la vivacité pour la fin ? Vous allez tenir en énergie jusqu'au bout ? On a toujours un plan de jeu bien précis par rapport au match. Il y a plusieurs gestions de matchs en ce moment avec des matchs tous les trois jours. Maintenant, on est sur celui-là et les joueurs qui sont alignés sont à 100% de leurs moyens et très déterminés. Merci Cédric. Cédric Doré qui est passé par Reims hein, au début de sa carrière. Il a été même formé ici hein, et il a joué... jusqu'en Ligue 2 avec le stade de Reims, Cédric Dory, avant de partir à Angers où il s'est véritablement révélé. Hein. Oui, le duo de Dory à Lagrange. Lui, il sait ce que ça veut dire marquer des buts que Cédric Dory. Et il sait aussi ce que ça veut dire faire des passes décisives pour ses coéquipiers. C'était un garçon et un joueur altruiste. C'est bien qu'il la sent comme nous. On sent bien ce match parce qu'on voit que les deux équipes prennent du plaisir à jouer. Et l'intensité de l'entame
nous amène à dire que c'est pas possible qu'on fasse un 0-0. Il y a des belles intentions de chaque côté. Julien François sur la ligne médiane, contré, et le coup de sifflet de Monsieur Rémy. Et Cédric Fauré qui encourage ses coéquipiers, l'expérimenté. Et même si on a un début de saison, l'accumulation de matchs, au contraire, hein, il faut remplir les réservoirs jusqu'à la fin août. Donc ces matchs supplémentaires, bien sûr, heureusement, il n'y a pas de grosse chaleur. Le voilà, Cédric Fauré, dos au but, contré. Kovac avec Amal Fita dans le décalage vers Fortes, côté droit maintenant. Le centre de Fortes en retrait. Ce ballon qui dégagé finalement par la défense havraise. Fortes qui prend souvent le dessus sur le marchand, qui est pourtant très vigilant. Oui, mais on insiste beaucoup sur les côtés depuis le début de la rencontre, côté rémois. On écarte bien le jeu. Tac Alfred en direction de Cédric Fauré qui fait faute. Cédric Fauré. Elle n'est pas énorme, mais. Elle existe. La faute sur Loïc Nestor, le Guadeloupéen. Du hack. Il n'y a pas quand même énormément de fautes là-dessus. Il protège bien son ballon, certes avec le bras, mais ça fait partie du jeu. Généreux ce coup franc. Et là, un nouveau coup de sifflet hein, pour une faute cette fois-ci sur Brice Jovial. On est dans le camp rémois. Parce qu'il y a des tireurs. Et là, Brice Jovial, il leur pose effectivement psychologiquement avec les buts qu'il a marqué, les deux buts et surtout le but de la victoire à quelques minutes de la fin. Psychologiquement, il a pris l'ascendant sur cette défense rémoise. Et depuis le début du match, il leur pose véritablement beaucoup de problèmes, que ce soit en profondeur ou dans son rôle d'attaquant axial de déviation. Allez, Fofana peut-être. Et ouais, Emmanuel Martin qui place son mur, le jeune gardien du stade de Reims. Un coup franc pour les Havrais, pour les Ciel et Marine, pour Fofana certainement. À moins que ça soit pour le pied gauche d'Ala. Bien joué, la bonne combinaison. Le centre en retrait maintenant. Le bon ballon capté là par Emmanuel Martin dans ses 6 mètres. C'est dommage parce que le ballon d'Ala est un petit peu trop fort et trop en profondeur. Mais la combinaison est belle. Vous voyez, celle-là emmenée trop loin, trop vers l'extérieur. C'est dommage parce qu'ils étaient pris complètement à l'envers, les défenseurs rémois. Et le centre de Selim Bouadla qui termine dans les gants de Martin. Solution quand même de la donner à son gardien. Un petit peu de panique sur cette action. La remise en jeu pour les stadistes, Gamboa. Le centre repoussé à l'entrée de la surface. L'enchaînement, il était loin. Gisolfi, il était bien à 35 bons mètres de la cage de Johnny Placide. Il a tenté l'enchaînement en demi-volée. L'ancien joueur du Sporting Club de Bastia. C'est un bon numéro 8, c'est beaucoup d'activité, techniquement c'est très propre ce qu'il fait. Bon là, s'il la met au fond, c'est le but de l'année. Hein. Oui, mais déjà, il faut oser la tenter, ça veut dire qu'on est en confiance quand on joue ce genre de geste. Qu'est-ce qu'il est beau ce stade, Fabien. Regardez-moi cette enceinte merveilleuse qu'a le stade de Reims maintenant. Oh oui, qu'elle est belle. Allez, Gamboa peut-être. Fauré encore à la retombée, il est battu par Fofana, mais le ballon toujours pour les Rémois. Et le bon retour, heureusement là, de Jean-Pascal Fontaine qui est revenu défendre. Il va aller même au pressing Fontaine. Le pressing des attaquants havrais était très intéressant parce que ça oblige pratiquement à chaque fois la défense rémoise à repasser par Martin. Anthony Weber avec Fortes qui a raté son ouverture. C'est là, ce monde à l'envers parce que Tacalfred il est devant quand même Fortes. Il faut faire attention sur ce couloir droit même s'il y a beaucoup d'activité. Et regardez la possession hein, depuis le premier quart d'heure. Xavier c'est très très proche. Hein. Match très équilibré pour le moment entre Reims et Le Havre pour ce deuxième tour de Coupe de la Ligue. Ah, mais ce sont deux équipes qui cherchent à jouer. Hein. La philosophie de leur coach est jouer au football. Et après avoir laissé passer les 5-10 premières minutes de tempête un petit peu les Havrais sortent de leur coquille et par contre sont menaçants. Il est obligé d'anticiper beaucoup de choses le marchand parce que ça. Fortes est quand même très actif ce soir. Dans son couloir droit, Fortes qui obtient un coup franc et qui va aller menacer Johnny Placide.
coup franc qui va être frappé par Ludovic Gamboa. Peut-être Cédric Fauré à la retombée qui est là, vigilant, point de pénalty. Fortes est là également. Il la met juste avant l'entrée des 6 mètres avec son pied gauche. Le coup franc de Gamboa repoussé à l'entrée de la surface et dévié par Fortes finalement. Elle ne va pas sortir cette balle, elle ne va pas sortir. Il ne passera pas Krikoviak. Lui qui avait rejoint les Girondins de Bordeaux il y a déjà 4 ans, hein, il avait 15 ans et demi. Qui montre une sacrée activité hein, au milieu de terrain. On le voit beaucoup hein, dans ces 20 premières minutes. Joachim Ishan pour la remise en jeu, l'ancien Lavallois. Hop là, attention, il ne faut pas le toucher. Bien joué. Fauré, deux buts maintenant Fauré. Le service en retrait vers Gamboa. Et la frappe trop enlevée de Ludovic Gamboa. Ouais, on cherche des solutions côté Rémois. Et ce qui est proposé sous nos yeux, en tout cas, est très alléchant. Allez, c'est pas et là, fait le n'importe bon travail quoi, de voilà. Fauré qui voit Gamboa à l'entrée de la surface. La passe en retrait du capitaine stadiste. Bah, vous voyez, pour Gamboa, vaut mieux qu'il tente ce genre d'action, même si ça part dans les tribunes, que de garder le ballon un petit peu trop longtemps. C'est pas grave. La prochaine, il la prendra juste avant le rebond et elle sera cadrée. Allez, plus de 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Reims et Le Havre pour ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Mais un match très plaisant à suivre pour le moment entre deux équipes qui proposent du jeu. Il faut quand même signaler qu'il y a beaucoup d'absents hein, côté Rémois, tout de même Xavier avec Toudic qui est blessé à la cheville hein, qui était prêté par le Stade Malherbe de Caen. Il y a aussi Vincent Granic hein, qui se remet d'une longue blessure hein, d'une blessure au ligament croisé, qui est revenu hein, du centre de rééducation de Cap-Breton. Il est revenu ces jours-ci à Reims pour reprendre l'entraînement tranquillement avec ses coéquipiers. Mais ça quand même, excusez-moi Fabien, mais ça de la gueule. Hein, que Fauré, Toudic, Granic, on est quand même sur des bases assez élevées. Hein, quand tout ça sera au top de la forme, ça n'a pas l'allure d'un promu classique, on va dire. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, depuis le début de saison, ils ont fait des bons matchs. Hein, ils ont fait un bon match nul au Mans, notamment de but partout, les Rémois. Ils ont toujours eu du mal à bien finir leur partie. C'est ce que disait d'ailleurs Cédric Fauré. Si le match se terminait au bout d'une heure de jeu, on serait sur le podium de la Ligue 2 actuellement. Oui. Mais voilà, ils ont encore un petit peu de mal justement à bien maîtriser totalement 90 minutes. Bien joué de la part de Joachim Ishan. Oui, mais c'est normal, c'est des réglages. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de paniquer, même si le compteur tombe pas au niveau des points. Mais quand la qualité est là et l'envie est là, ça paiera forcément à un moment donné dans la saison. Le plus tôt et le mieux, bien sûr, mais il n'y a pas de panique à avoir. On va mettre la charrue avant les bœufs, hein, ils sont promus. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs qu'il y a quelques années, voire aller trop vite. Il y aura un autre grand match hein, pour Reims vendredi, ici même à Auguste Delaune, le derby hein, face à Troyes. Oui. Alors que Le Havre il se déplacera à Clermont pour rencontrer les hommes de Michel Derzakarian. Besoin qui eux jouent ce soir contre Boulogne, c'est un beau match aussi, Boulogne-sur-Mer. Et puis eux, les hommes de Derzakarian, auteur d'une grosse saison l'an dernier, sont pas passés loin de la montée. Ouais, et qui sont un petit peu à la peine en ce début de championnat, donc ça va pas être un match facile pour les Havrais du côté de l'Auvergne. Et Cédric Fauré, lui qui est un petit peu agacé hein, depuis quelques minutes. Ouais, parce que là, il a pas tort. Il a pas tort parce que l'arbitre ne peut pas le voir, effectivement, parce qu'il est caché. Mais le coude dans le dos sert de bascule. Ça c'est difficile à voir hein, pour notre premier arbitre. Bon attention. Gamboa qui était tout près d'intercepter ce ballon. Boîte là à l'ouverture. Encore Boîte là côté gauche avec Assanala. Jovial maintenant dos au but. Jovial qui s'est retourné. Jovial l'enchaînement, la frappe contrée. Hop là, il avait. Ah, on sent qu'il est en forme, parce que... Oui, il a des cannes. Ouais, il a des cannes et surtout là, au-delà de sa frappe, bah, ouais, tout de suite, il se met en position pour chercher la frappe immédiate. Mais c'est surtout sur l'anticipation. Il avait déjà anticipé la tête en retrait du défenseur rémois pour son gardien. Il est arrivé un petit peu en retard, mais c'est des signes ça. C'est des signes de joueurs en forme. Ça, c'est une bonne pioche, hein, Brice Jovial. Ils sont allés le chercher au mercato d'hiver, au mois de janvier. Ils sont allés le chercher à Beauvais. Il avait fait un début de championnat tonitruant en national avec 14 buts en 17 matchs. Et bien là, il est en train de confirmer, hein, Brice Jovial à l'étage supérieur, qu'il
Il a de très très bonnes qualités, cet attaquant de 26 ans. Le Marchand qui cherchait en première intention Hassan Allah, le milieu de terrain marocain du HAC. Déjà à la moitié de la mi-temps, même plus de la moitié, et le rythme est toujours aussi élevé hein, pour l'instant. Le premier but va déclencher, vous allez voir, ça va être un match foufou. Dès qu'une des deux équipes aura ouvert le score, ça se sent jusqu'à épuisement des corps. Allez, le centre en retrait de Le Marchand, repoussé par la défense rémoise. Forêt battu dans les airs. Et pour l'instant, messieurs, les bancs sont très concentrés. On est vraiment très concentrés hein, sur les bancs, sur la rencontre. Et j'en profite pour me tourner vers Thomas Gamiette. Le Rémois, vous étiez le seul buteur Rémois vendredi dernier face au Havre en championnat. Où est la faille selon vous, là, pour l'instant? Pour l'instant, on est bien rentré dans le match. Là, il faut qu'on fasse un peu attention parce que le Havre a repris la maîtrise du ballon. Mais bon, je pense que là, on est bien en place. Il faut juste continuer comme ça et je pense que sur les côtés, il y a moyen de faire quelque chose et de créer beaucoup d'occasions. Vous pensez rentrer un petit peu plus tard? C'est le plan prévu ou pas? Je ne sais pas, il faut aller voir avec le coach, c'est pas moi. Vous êtes, j'imagine, un peu ménagé pour le match contre 3, ce sera vendredi? Ouais, j'espère jouer contre 3, mais bon. Match important en tout cas pour Reims hein, face à 3. Ouais, match important parce qu'on n'a pas encore gagné. On a besoin des 3 points, surtout à domicile. En plus, c'est un derby de la région. Donc, faire plaisir aux supporters et se rassurer en prenant les 3 points. Merci Thomas. Et pour l'instant, c'est la Coupe de la Ligue. Exactement. Avec ce match entre Reims et Le Havre, quasiment la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Mais de bonnes intentions de chaque côté. Mais toujours pas de but. Hein, Auguste Delaune ce soir. Guadla. Avec Fofana. Hassan Allah qui recherchait Boisdelat encore. Le ballon récupéré par Takalfred. Finalement Allah, l'ouverture vers Jovial peut-être. Allez, pas de faute. Le ballon récupéré par le milieu de terrain. Et moi, l'ouverture vers Fortes en profondeur. Et la sortie de Joly Placide. Il avait lu la trajectoire de la frappe de Florent Ghisolfi. Et la relance courte de Joly Placide. Le problème c'est que Takalfred joue trop et souvent ça laisse des espaces par rapport à l'axe central et Jovial s'y engouffre sur le couloir gauche de votre écran, c'est-à-dire derrière Takalfred, l'arrière droit. Il faut qu'il resserre parce que ça fait deux ballons qui perdent et deux ballons où Allah peut glisser le ballon sur le couloir gauche. Ces petits réglages, ça. Fofana. Allez, Allah qui a une deuxième chance là, mais la passe est encore mal ajustée. Fortes. Un roulé avec Amalfitano, encore Fortes qui va les provoquer et il est pris finalement Fortes par Bas qui joue en retrait avec son gardien Joly Placide qui allonge le jeu maintenant. Krikoviak dans le rond central. Ça c'est bon et Fortes il est en retard. Mais le marchand il a un peu plus parce qu'un coup il est sur Fortes, un coup il est sur Takalfred. Mais Fortes, il faut qu'il aille plus loin encore dans son jeu. Aller plus provoquer une fois qu'il a fait la différence, qu'il s'est mis en route. C'est biscotte ou un avertissement, non? Verbal. Ça sera un jaune. Ouais. Ça sera un jaune pour Maxime Lemarchand. Le premier avertissement de cette partie, il est pour l'ancien défenseur du Stade Rennais. Il peut pas. Vous voyez, même au niveau de l'arbitrage, hein, c'est pratiquement la première grosse faute. Parce que là, le pied gauche sur la cheville de Takalfred. Ça fait mal, très mal même. C'est incontestable. Avertissement mérité là pour Maxime Lemarchand. Allez, Gamboa, va falloir s'impliquer et la mettre. Parce que Placide est très avancé. Il est très avancé par rapport à sa ligne. Il s'est repoussé encore par Allah. Fofana maintenant. Ça va vite. Qui va chercher Jovial. Et le ballon qui revient dans le camp havrais. Et le ballon qui sort en touche en faveur des ciels et marines, en faveur du Havre. Il va vite ce garçon, il va vite, il faut qu'il utilise absolument sa pointe de vitesse pour déséquilibrer définitivement l'arrière-garde havraise. Il n'utilise pas assez pour l'instant.
Allez, le ballon sans problème pour Johnny Placide qui relance à la main. Allez, Gamboa, avec Rivirez. Le ballon vers Jovial qui est légèrement hors jeu. Le voilà, Brice Jovial. Il a l'affût, là, on sent qu'il est au bord de l'exploit. Du beau geste à chaque fois, il fait les gestes justes. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore la... l'ouverture. Allez, Fauré, il n'est pas hors jeu, il a tenté sa chance directement. Ça, c'est le geste du buteur. Hein, mais ouais, la frappe, elle est beaucoup trop croisée de Cédric Fauré. C'est surtout aussi le geste de la frustration de ne pas toucher, d'avoir touché peu de ballons depuis quelques minutes. Et voilà un homme que vous connaissez bien, Xavier. Hein. Ah, oui. Vous avez joué la Coupe d'Europe au Stade Malherbe de Caen avec Hubert Fournier, ouais, face au Real Saragosse notamment. Ouais. C'est un garçon hyper sympathique, bon défenseur qui a joué au Borussia de Mönchengladbach et j'ai la chance de rejouer avec lui à Guingamp aussi. Un garçon très intéressant, très attachant, très intelligent on va dire. Et l'attaque Alfred qui a bien surgi, il y a un bon coup à jouer côté droit. Allez, Fortes, c'est parti. Fortes qui va rentrer dans la surface, Fortes toujours, il a trop poussé son ballon. L'attaquant capverdien malheureusement. Et il commence à être en apnée, le marchand il commence à voir les yeux quoi. Enfin, les crevasses sous les yeux et la bouche ouverte, ça va vite hein. Ça va vite et c'est là qu'il doit le finir complètement Fortes. Ah ouais, mais ballon mal négocié hein. Il aura par l'ancien attaquant d'Alfortville. Ouais. Il aura besoin de souffler hein, le marchand, la mi-temps il va être content lui. Amalfitano qui a tenté de passer en solo avant d'ouvrir vers Gamboa. Joaquim Michan avec Gamboa justement. Amalfitano. Ça, c'est bien joué Amalfitano. C'était passé tout à l'heure, mais cette fois-ci, la jambe Avrez a fait le nécessaire. Weber va attaquer Alfred. Fortes, pourquoi pas. Battu dans le jeu aérien cette fois-ci par Maxime Lemarchand. Ouais, il fait un bon match quand même. Hein. À part que ça lui arrive, un coup c'est que t'as Alfred ou Fortes, mais il fait un bon match, le jeune Lemarchand. Ouais, 20 ans seulement, hein, Maxime Lemarchand. Oui, qui avait été prêté l'année dernière par le Stade Rennais et transféré définitivement durant l'intersaison. C'est un joueur intéressant. Attention à Fauré, la reprise de Fauré contrée. Et le coup de sifflet de Monsieur Rémy pour la faute de Gisolfi. Ouais. Content, hein, il doit être content, le Havre, de l'intervention de l'arbitre parce que Alfred était parti en contre-attaque. Allez, la relance de Johnny Placide. Devenu titulaire hein, l'année dernière hein, en lieu et place de Christophe Revault. Attention parce que Julien François. Krikoviak. Grosse activité. Hein. Krikoviak, grosse activité ce intéressant, garçon. Intéressant, 20 ans lui aussi, c'est un jeune joueur. Il fait penser à les plus anciens se souviendront, mais à un joueur qui jouait lui par contre le même style et le même gabarit, mais avec les chaussettes baissées, c'était Didier Christophe. Qui a joué à Lille et qui était un garçon du même gabarit, de même morphologie, on va dire, et même volume de jeu. Ça, c'est pour les anciens, hein. C'est un petit clin d'œil. Vous êtes un peu jeune, mon cher Fabien. Même si vous êtes bien bronzé, que vous avez fêté vos 30 ans. Vous aviez fêté vos 30 ans il n'y a pas longtemps. Ah bah ouais, bon, Didier Christophe, c'est pas forcément ma génération. Non, mais ceux qui connaissent le foot se rappelleront de ce milieu de terrain assez costaud. Et comme on m'a soufflé dans mon oreille, la télé n'était pas en noir et blanc. Messieurs, dames, dans le quart, c'est pas la peine de lancer des petites vacheries comme ceci. Allez, on a passé le cap de la demi-heure de jeu ici au stade Auguste Delaune. Toujours ce score nul et vierge entre le Reims, le stade de Reims. On s'ennuie pas. Et l'équipe normande du Havre. Allez, Brice Jovial qui a dézoné un petit peu là sur le côté. Brice Jovial qui va repiquer dans l'axe. Oh, bien joué. Jovial, et voilà l'ouverture du score. Action magnifique des Normands. Et Jovial, déjà bourreau des Stadis vendredi dernier en championnat. Et bien, il ouvre le score un peu après la demi-heure de jeu. Ça fait 1-0 pour les Normands. Mais quelle action magnifique avec un geste de grande classe d'Ala qui a ouvert vers Jovial. Imaginez ça. Le geste parfait, l'action parfaite. Et cet homme-là qui est au départ de l'action l'a fini merveilleusement bien. Regardez, il est au départ, contrôle, il prend son temps, le contrôleur était bon, hop, fin de frappe, il revient à l'intérieur. Il cherche le 1-2 et Alain fait un truc, un geste exceptionnel. Il se la monte, étalonnade,
ça vous rappelle, allez, la fin de l'action, vous vous rappelez cette année des Nantais, là, la grande action avec Pedros et Loco. Et bien là, on a la fin de l'action avec cette talonnade. Magnifique. Ce qu'a fait le Marocain, c'est une passe décisive absolument fabuleuse. Cette ouverture pleine d'instinct en direction de Brice Jovial. Et ensuite, le travail du buteur, la frappe croisée parfaite. 1-0 donc pour les hommes de Cédric Dory. Je vous disais que ce garçon, Brice Jovial, est en forme, ça se sent. Ah ouais. On l'a vu dès le contrôle orienté, il est parti aller provoquer, entrer le grand crochet intérieur, le 1-2, il a continué sa course parce qu'il savait que son partenaire allait lui remettre. Il ne savait pas comment, mais en tout cas, elle lui a ordonné, il a continué sa course et est venu fusiller le jeune Martin. Et bien voilà, 1-0. Pas immérité. Après la demi-heure de jeu. Malgré la domination rémoise, pas immérité. Cette ouverture du score des Havrais. Pour ceux qui ne connaissaient pas Brice Jovial, en l'espace de 3 jours, il a signé un doublé en Ligue 2 en championnat. Il ouvre le score ce soir à Reims. C'est un joueur qui s'est révélé un petit peu sur le tard parce qu'il a tenté sa chance en Italie et en Belgique sans grand succès. Oui. Attention, les Rémois, là, qui en ont pris un petit coup derrière la casquette. Et ouais. Et c'est parti encore dans le dos de Takalfred. Ah, ils le savent. Hein. De toute façon, c'est Cédric Dory qui les a fait. Il leur a dit, hein, Takalfred est un arrière qui monte énormément, donc il faut jouer dans son dos pour l'empêcher de faire le surnom au milieu de terrain. Et c'est ce qu'ils font en première période, et ils le font bien d'ailleurs. Et un corner en faveur des Normands. Corner rentrant, frappé premier poteau. Mal tiré surtout. Eh oui. Ouais, même s'il cherchait une déviation d'Allah au premier poteau. Ces ballons-là, vaut mieux les mettre en hauteur, hein. Vous les mettre dans les pieds. Allez, deuxième tentative pour les Havrais. Bien frappé cette fois-ci, ballon dégagé par Cédric Fauré au premier poteau. Wadla qui a retrouvé Allah. C'est une intervention musclée, on va dire. Bon joueur. Et le bon retour là de Fofana qui est revenu défendre le champion d'Europe des moins de 19 ans. Il en impose au milieu de terrain physiquement. Oh, ce garçon, oui. Il a un beau potentiel, Gaïda Fofana. Arrivé à l'âge de 12 ans au club. Ne les brûlons pas. C'est pas parce qu'ils sont champions d'Europe qu'on en fait tout de suite des garçons qui vont jouer en équipe France A. Pour l'instant, ils sont en pleine ascension. Ouais, parce qu'on se rappelle, il y en a quelques-uns qui se sont perdus de la génération 87 qui avait été champion d'Europe également. Allez, Krikoviak qui va tenter sa chance. La frappe contrée, captée sans problème par Johnny Placide. Et à noter qu'à la mi-temps, restez bien avec nous durant la pause, puisqu'on vous proposera les meilleurs moments de l'interview de Laurent Blanc, que vous avez peut-être revu dimanche dernier dans Stade 2. Le sélectionneur des Bleus a révélé plein de choses, vraiment très très intéressant. Laurent Blanc vous proposera 6 minutes d'extrait de cette interview. C'est une belle interview et c'est surtout, on a l'impression qu'on peut vivre, hein, qu'on peut converser avec le sélectionneur sans aucun problème, sans pression. Dans les temps, tout simplement, nature. Et Laurent Blanc qui donnera sa liste un jeudi pour les deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2012. Allez, encore 7 minutes à jouer durant cette première période. Mais les Rémois qui vont devoir réagir pour recoller au score. Il ne faut pas qu'ils paniquent, les Rémois. Ils sont bien dans leur match. Bon, c'est un coup du sort, un exploit individuel de ce Brice Jovial et d'Allah. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas en difficulté. Donc il faut qu'ils gardent le même schéma, la même intensité, la même idée de match dans leur tête. Et pas se laisser abattre après ce but. Gisolfi qui peut écarter vers Fortes. Allez, il faut qu'il pousse. Il a été provoqué, Fortes, le centre, fuyant, deuxième poteau, trop fuyant, puisqu'il finit derrière la cage de Johnny Placide. Alors qu'on revoit le but. Regardez-moi ça, magnifique. Alors là, on l'a tibouillé à Jovial, parce que lui, là, il est au départ et la finition, mais quel geste de Allah, oh là là là, magique. Parce qu'il le lève pied opposé, hein, c'est-à-dire qu'il s'élève pour l'autre pied. C'est fabuleux ce que vient de faire l'attaquant Havrais. Magnifique action de jeu. Et certainement l'un des plus beaux buts de ce début de saison, de cette saison foot sur France Télévisions. Ce but de Brice Jovial avec cette passe absolument magnifique d'Hassan Allah, le Marocain. Allez, ça part dans le dos, faut bien jouer. Mais imaginez que c'est parti de Placide et après juste à Jovial. Donc il y a eu deux passes, Jovial et Allah. Quelle action!
Deuxième but en Coupe de la Ligue pour Brice Jovial, hein, qui avait offert la victoire face au Mans au premier tour à Deschazeaux. Il récidive ce soir. C'est l'homme en forme de ce mois d'août. Côté Havre. Il y a d'autres cartouches, hein, côté Havre sur le banc. Il y a Mamadou Diallo. Attention à Cédric Doré. Cédric Forêt. Oui, c'était. Oui, parce que, oui. Ils ont la même façon de jouer, Cédric Doré avec Forêt. Allez, Fortes en remise vers Takalfred. Takalfred qui va chercher Forêt justement en point de pénalty. Le ballon repoussé par Rivierez. Voilà, bien joué. Il n'y a pas faute sur Brice Jovial. Sur le banc, il y a Mamadou Diallo, il y a Alexandre Bonnet qu'on a fait souffler un petit peu. Il y a du monde hein, côté Havre. Allez, Fortes. Allez, ça y est, il a fait la différence. Allez, faut Fortes pousser. Bien joué. L'axe avec Forêt, le relais. Talonnade. Forêt qui temporise. Forêt qui passe en finalement. Forêt, la bonne sortie de Placide. Au devant de l'attaquant Rémois qui avait fait la différence tout en puissance. Il a été. Et Forêt qui a pris un coup. Il a été au carton aussi, Cédric Forêt, parce qu'il a tendu la jambe pour aller la chercher. Pour essayer d'appliquer sur le, au-dessus du gardien Havre, qui est bien sorti. Hein. Là, il a de la chance parce que voilà, c'est Havre qui lui remet dans la course. Et là, la bonne sortie de Placide. Hein, parce que. Si Placide sort avec les mains, ça laisse encore plus de temps à Cédric Forêt pour le piquer. Il a choisi de sortir les pieds en avant. Il a bien fait. Placide, le gardien Havre, très bonne intervention. Là voilà la réaction rémois signée Cédric Forêt. Oui, s'il met les mains, il risque plus de faire pénalty qu'autre chose. Et là, il a gagné plus de temps. Le quart de seconde qu'il gagne à se jeter dans les pieds, bah, lui fait gagner ce duel. Gamboa côté gauche, le ballon qui n'est pas sauvé, la touche en faveur des Ciel et Marines qui mènent donc au score 1-0 grâce à Brice Jovial. Le duel Kripsoziak Fofana, physiquement ça envoie hein, au milieu de terrain. Fortes. Allez. Fortes qui est toujours bien dans ses prises de balle, mais qui est un peu plus laborieux hein, dans les gestes décisifs ensuite. Dans la dernière passe, face au but. Mais il est intéressant dans les prises de balle, Fortes. Oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il se contente d'avoir fait la différence un petit peu. Mais le marchand, il est loin d'être battu. Donc, avec sa vaillance, il récupère à chaque fois. Tandis que, une fois qu'il a réussi son dribble et qu'il envoie la troisième, je peux vous dire qu'il ne le revoit plus. C'est le problème de Fortes. Il est arrivé du CFA, hein, Fortes, en 2006, en direction d'Alfortville. Allez, Ishan pour cette remise en jeu. Contrée. Ils sont bien en place hein, défensivement, les Havrais. Rarement pris à défaut, bien en bloc. Marc Boutet sur l'axe central, c'est parfait. Ça coulisse bien au milieu de terrain. C'est vrai que pour sa deuxième saison hein, sur le banc, Havrais, le projet de jeu de Cédric Doré prend vraiment forme. Hein. Ils ont déjà fait une belle saison l'année dernière. Ils ont Ils se sont écroulés. Ils ont eu une mauvaise série. Ouais. Ils ont eu une mauvaise série de 10-12 matchs. Mais tout ce qui avait été fait avant était très bon. Est-ce que c'est la pression qui était trop grande peut-être, mais ils sont craqués à des moments clés d'un championnat. Et là, cette année, avec en ayant perdu quelques joueurs, ils ont l'air d'être bien dans leurs chaussures en ce début de saison. Et si Brice Jovial continue sur ce même rythme. Ça sera certainement un candidat à la montée, le club normand. On le dit depuis des années, donc vous ne voulez pas le dire comme ça, la belle-sœur va pouvoir respirer. Ils se sont donné 2 ans pour monter, on le disait, objectif 2012 pour les Normands, pour les hommes du président Louvel, pour arriver dans ce stade flambant neuf de 25 000 places en Ligue 1. Faut pas le dire Fabien, parce que ça porte malheur. Chacun a ses petites ambitions secrètes. Il y a à peu près 10-12 clubs hein, qui souhaitent monter. Allez, la déviation de Hala. Et le ballon sauvé finalement par Anthony Weber. Qui est arrivé cet été, lui, du Paris Football Club. Hein. Anthony Weber qui est obligé de couvrir derrière Takalfred. Donc il s'éloigne de plus en plus de Fontaine. Et c'est là que Brice Jovial en profite à chaque fois. C'est un vrai battant, hein. Ce Polonais. Ouais. Je peux vous dire. Il a un gros volume de jeu, hein. Grigor Skrikoviak, pour ceux qui ne connaissaient pas. Oh, des petites passes, vous voyez. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Vous avez vu, mon cher Fabien, les stats du stade de Reims, comme quoi dominer ou avoir plus de ballons dans les pieds et faire plus de passes,
n'est pas la vérité du match. Plus réaliste, les Havrais, depuis le début de la partie. Et pour l'instant, Dieu sait qu'il n'y a pas d'erreur, de grosse erreur criarde de la part des Rémois. Attention. Gamboa, contré. Il aurait pu obtenir un petit coup sur Gamboa parce qu'il n'a pas été. L'ouverture un petit peu courte en direction de Fortes. Le ballon récupéré par les Normands. Fofana. Allez, regardez, même au pressing. Omniprésent, Brice Jovial. Il a du feu dans les jambes ce soir, ce garçon. Il en avait vendredi déjà, mais là. Comme quoi, psychologiquement, plus vous marquez des buts, c'est comme tous les buteurs. C'est cyclique. Ouais. C'est cyclique, mais ça vous prolonge l'état de forme. Plus on met un but, plus l'état de forme est prolongé, même quand on est fatigué. Fortes, en direction de Cédric Forêt. C'est bien joué. C'est bien joué. Si ça part sur Fortes. Allez, encore Forêt dans l'axe. Le décalage côté gauche vers Gamboa qui a un petit peu d'espace. Gamboa qui peut entrer dans la surface. Gamboa toujours à l'extérieur du pied, contré. Et ça sera un corner pour les stadistes dans les arrêts de jeu de cette première période. Ah, il s'en est bien sorti, il y a un Gamboa qui a tenté à l'extérieur. Ah, Nestor, il fait bien la toucher quand même, parce qu'elle était partie sur la tête de Cédric Forêt. Et ce même Ludovic Gamboa, et son pied gauche pour frapper ce corner, dernière possibilité avant la pause pour les Rémois. Il est bien tiré. Il a frappé le premier poteau, Cédric Forêt était là. Attention, c'est pas fini. Une deuxième chance. Contré cette fois-ci Gamboa et la mi-temps. Sifflé par Monsieur Rémy. Trop de temps Gamboa. Ouais. 1-0. 1-0 à la pause en faveur des Normands. Beau match. Et ouais, beau match et le coup d'envoi donc qui va être donné par les hommes d'Hubert Fournier, mené 1-0. Allez, il faut absolument que les Rémois continuent à faire ce qu'ils ont fait en première période avec un peu plus de conviction on va dire. Krikoviak avec Ishan. Encore Krikoviak, le milieu de terrain polonais qui appartient aux Girondins de Bordeaux. En retrait vers son gardien Emmanuel Martin. Qui n'a même pas son maillot floqué à son nom, Emmanuel Martin, le jeune gardien et moi. Il faut dire que dans la hiérarchie, il part troisième gardien, parce qu'il y a aussi Agassa qui est là mais qui est blessé, qui est censé seconder Liebus. Dommage. Mais encore une accélération de Krikoviak. Et dites-moi, là une petite révélation. J'aime bien voir les matchs du début de saison parce qu'on voit des joueurs qui sont en forme plus rapidement que d'autres. Et ce garçon est une petite découverte, on va dire, pas pour les connaisseurs, mais son intégration aussi rapide au niveau du milieu de terrain rémois inaugure une belle saison. Alors que Jean-François Carcard vient de me souffler que Evian vient de marquer à Guingamp. Ouais, ça sent la fin malheureusement là pour. Attendez, il reste du temps de jeu. Pour les Bretons. Et Evian qui confirme son excellent début de saison malgré sa défaite à domicile face à Tours. Ça va être une équipe très très dure à manœuvrer, cette équipe d'Evian qui peut être l'équipe surprise comme Arles. On ne sait jamais, on en parle, même si on est loin encore de distribuer les trophées de fin de saison. Mais c'est une équipe qu'on sent capable de faire ce qu'a fait Arles. Promu national, promu de Ligue 2 et bien lancé pour la Ligue 1. Même si pour l'instant, ça doit être objectif, c'est de prendre un maximum de points pour passer l'été. Et virer en rentrant dans l'hiver où on sait que c'est difficile. Hein. Et ben avec un maximum d'avance pour un promu, c'est important. Mais sait-on jamais, on peut rêver. Et les Rémois qui courent toujours après leur premier succès cette saison en Ligue 2. 3 matchs nuls, 1 défaite pour les hommes d'Hubert Fournier. Ils courent beaucoup, les Rémois, comme vous dites. Ils se dépensent énormément. Et ils sont tombés pour l'instant sur une équipe du Havre bien en place. Oh, attention à ce tacle. Allez, le centre. Oh, attention but pour les photos et le but. Oh là là. Ah, superbe. Superbe. Et c'est encore Brice Jovial. Encore un doublé pour Jovial. Jovial, auteur d'un doublé déjà vendredi dernier. Jovial qui vient saluer toute la France entière. Brice Jovial, le bourreau
du Stade de Reims. 2-0 pour les Havrais. On vient à peine de reprendre dans cette deuxième période. Et le break est fait désormais. Elle est pas bien. Là, c'est sur tes attaques. Il s'en sort. Fontaine, lui, dans le contrôle, elle est parfaite. Sans premier poteau avec un rebond. Et de toute façon, ce soir, Brice Jovial, il a décidé de faire son show. Il a piqué premier poteau. Il a devancé Weber. Et quand on est en forme, regardez, il a juste eu à poser le plat du pied gauche. Et le ballon est parti au fond des filets. Ouais. Cet homme-là, comme vous dites, est le bourreau des Rémois. Et là, ça fait très mal pour cette équipe de Reims. Eh bien, décidément, ouais. Brice Jovial, ils n'ont pas trouvé la solution. Hein, côté Rémois, c'est incroyable ça. Hein. 4 buts en moins d'une semaine face à la même équipe. Attention, Mafitano, ouais, ça va, ça mérite biscotte. Ça mérite biscotte parce qu'il y a été, voilà, pas s'énervé. Parce que là, il a été directement sur la cheville de Fofana. Non, mais je venais juste de le dire quelques secondes avant. Cette équipe du Havre était très bien en place. Elle était difficile à manœuvrer. Ben là, elle est aussi opportuniste et réaliste. Ça va être très compliqué pour les hommes du Berfournier. Ah ouais, parce que là, ce but, il fait très mal. Hein. 2 minutes après le retour des vestiaires. Allez, là, on le revoit. Bon, là, il est chez... Ouh là là, à Mafitano. Il lui a laissé sur la cheville. Mérité pour Romain Mafitano. Cette faute sur Gaïda Fofana. Et le coup franc havrais frappé par Loïc Nestor. Mais il faut aussi signaler que même si Brice Jovial finit les actions, entre Alla tout à l'heure en première période et Fontaine là sur ce centre, qui est un véritable caviar, il est quand même relativement super bien servi. Ah mais il est vraiment en pleine confiance, ouais, hein, là, Brice Jovial. Tout ce qu'il tente, ça réussit, ça passe. J'ai une expression bien à moi, il peut même frapper des toilettes dans le couloir. Ah, celle-là, je ne la connaissais pas. Oui, ça va rentrer. Ouais. Elle est en pleine réussite. Hein. À Brice Jovial, hein. 2 buts vendredi à Deschazeaux, 2 buts ce soir à Auguste Delaune. Qualification face à la même équipe. Face au Mans, on est déjà à 5. Ouais. Hein. Ouais. Les compteurs s'affolent, il y a quelques buteurs qui s'affolent. Du côté de Tours aussi, il y en a un qui commence à agiter les arbres. C'est Guégué. Ouais, exactement. Jovial commence à... Voilà, bah, peut-être qu'on va avoir une année avec des buts à foison et des buteurs en renaissance. Et le ballon repoussé par la défense rémoise. Alors que Boulogne vient de marquer dans les arrêts de jeu. Hein, et va se qualifier 3-2 à Clermont grâce à Grégory Thil. Ce diable de Grégory Thil. Et lui aussi, hein, quand il va s'arrêter à Boulogne. Ça risque de laisser un trou. Ah, sur le port, ils vont lui faire une statue. Hein. Ouais. Allez, c'est... Allez, la percussion de Krakowiak pour la révolte peut-être rémoise. François, et la faute là sur Selim Bouadla. Ouais, une faute inutile, puisque... Et je suis à côté de Benjamin Janton, le défenseur havrais. Ça commence à blaguer hein, sérieusement là sur le banc havrais. On est heureux plutôt. Oui, non, on blague pas jusque-là, il reste quand même 40 grosses minutes. Il y a de la bonne humeur. Oui, mais c'est vrai que là, peut-être qu'en mettant ce but au bout de 3 minutes en deuxième temps, on a peut-être mis un gros coup derrière la tête au Rémois, mais comme je l'ai dit, il reste 40 minutes et il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, puisqu'on sait que si Reims réduit le score, leur public va les pousser un peu, mais c'est vrai qu'on est bien parti, mais il faut surtout pas s'enflammer. Loin de là. Il faut tenir, merci. Ne pas s'enflammer. Ils ne peuvent rien, parce que c'est vraiment pas deux erreurs, c'est deux exploits individuels. Hein. Ce n'est pas des erreurs défensives qu'ont effectué les Rémois en prenant ces 2 buts. C'est la grâce d'un garçon comme Brice Jovial qui, ce soir, est impérator, on va dire. Butor impérator. Ça va vous faire plaisir, Xavier. Ah. On vient de me souffler que Guingamp vient d'égaliser. 3 ben alors, de partout, de partout vous voyez, face à Evian. Espèce de mauvaise langue, vous étiez en train de dire que... Ce n'est jamais fini voilà. Au Rodourou dans les Côtes d'Armor. Ce n'est jamais fini au Rodourou et vous allez voir. De partout donc, entre Guingamp et Evian Tonneau Gaillard. Et la pleine lune au-dessus du stade Auguste Delaune ce soir pour ce beau match de foot entre le Havre et Reims. Allez, encore un petit quart d'heure à tenir véritablement pour les Havrais. Ouais. On va dire, même s'il reste beaucoup plus de temps, mais ce quart d'heure, il est important psychologiquement de ne pas prendre de but, de ne pas voir les Rémois revenir. Allez, cette fois-ci, c'est encore Alla. Allez, Hassan Alla pour tirer ce coup franc, le pied gauche du milieu de terrain marocain. Bien frappé, repoussé finalement
par Cédric Fauré qui était revenu défendre. Ouais, il revient à chaque action, Cédric, le capitaine rémois. Cédric Fauré met sa tête, c'est pas la première fois qu'il dégage son camp et vient suppléer ses défenseurs. Et c'est officiel, Boulogne-sur-Mer est qualifié hein, pour les 16e de finale. Victoire 3-2 sur le terrain de Clermont. La remise en jeu de Rivièrez, la longue touche, la déviation. Allez, t'as Calfred qui part en contre. C'est... Ah, dommage. Ah, dommage. Et le ballon récupéré par les Rémois avec Krikoviak. Ah, bien joué, François. Bonne anticipation. La balle fuite à nos contrées. Par la sortie de Davasba. Physiquement, ils se donnent. Hein. Ils se donnent tous, les 22 acteurs. Ils se donnent à fond. Match très agréable, hein. En tout cas, ce soir. Fofana avec Ala maintenant. Fontaine encore avec Fofana, c'est bien fait de la part de Fofana. Bien joué de la part de. Allez, le grand pont de Gamboa qui va les percuter. Oh oui. L'ouverture oh oui. Côté droit de Fortes. Il s'applique. Fortes maintenant pour personne. Centre trop fuyant de Fortes. Ça, c'était une balle. Et ouais, mais c'est ce qu'on disait en première période de Xavier. Fortes toujours. Percutant dans ses prises de balles, mais moins intelligent dans ses choix ensuite. Ah oui, parce que là, il y avait la meilleure option était quand même à attendre ce centre. Mais la meilleure option était quand même de centrer fort à ras de terre. Premier poteau pour Cédric Fauré. Là, ça, c'est la fin de. Oui, voilà. Oui, il a failli tout renverser là. Romain Malfitano. Ce qu'il dit sur Rémi, non. Il dit que notre ami Gamboa s'est laissé tomber. Bon arbitrage hein, depuis le début du match de Ludovic Rémy. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Fabien? Ah non, mais cet arbitrage à 5 est convaincant hein, depuis le début de la Coupe de la Ligue. Alors, vous allez devenir un petite équipe, moi je suis pro vidéo, alors vous faites comme vous voulez. Il faut voir sur la durée, hein, effectivement, parce qu'on n'échappera pas non plus à des erreurs d'arbitrage avec l'arbitrage à 5. On n'a pas échappé pendant la Coupe du Monde, hein, ouais. Je vous rappelle. Il y a eu quelques. Allez, attention à ce contre. Oh là là, allez, il y a encore un bon ballon vers Jovial qui est hors jeu cette fois-ci. Brice Jovial qui avait devancé tout le monde avec son appel. Et trois Rémois qui partent à l'échauffement. Il y avait déjà trois vrais qui s'échauffaient. Et on le sait, hein, Hubert Fournier l'avait dit. Il a un banc très très faible hein, ce soir. Or, comme il y a beaucoup de matchs rapprochés en ce moment, le banc est très important. Oh, attention, parce que là, ce attention, ballon-là. Forêt de haut but. C'est le la différence avec Forêt. Ouais. Forêt toujours. Ouais, il cherche Gamboa en retrait. Bien pris par Nestor. Krikoviak qui va écarter côté gauche avec Ludovic Gamboa. Le centre de Gamboa, deuxième poteau. Fortes peut-être. Bien joué le marchand. Bien joué le marchand. C'est bien défendu de la part de l'ancien Rennais. Ouais. Qui a fermé l'angle d'attaque, on va dire. C'est vrai que c'est maintenant pour les Rémois qu'il faut appuyer, qu'il faut réduire le score pour espérer encore dans ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue arracher pourquoi pas une prolongation pour inverser la tendance dans cette partie. Car on approche l'heure de jeu et les Ciel et Marines qui mènent 2-0, doublé de Brice Jovial, décisif encore ce soir. Et je vois Kim Michan qui va obtenir une faute. Ouais, qui n'avait pas pris la bonne solution, je m'appelle Kim Michan. Qui avait voulu rentrer intérieur. Il s'était retrouvé enfermé par le défenseur Avray. Et on s'applique sur ce coup franc. Est-ce que c'est Takalfred qui va le tirer? Allez, Takalfred, on est à 30 bons mètres. De la cage de Johnny Placide. Allez, le voilà, Michael Takalfred, ce joueur formé au Red Star, le coup franc. Et non, mal frappé. Mal frappé, surtout. Il faut s'appliquer là, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Gamboa. Ouais, bien joué. Bien repris, Gamboa. Le ballon qui revient à Malfitano. Contré par là, attention à Jovial qui va aller au pressing sur Takalfred aussi. Faut pas la perdre, Takalfred. La mauvaise relance de Takalfred. Fofana. Fontaine qui a voulu changer de côté, la verboie de là.
Il est temps que ça se termine bien joué parce que là, il commence à avoir un petit peu de nervosité. Il y a des ballons qui sont perdus bêtement. Côté Rémois. On sent qu'il y a de la maîtrise hein, du côté des hommes de Cédric Doré tout de même. Ouais, ils ont le match bien en main. Ils étaient déjà en place à 0-0, Fabien. À 2-0, vous imaginez. Et même si moi je trouve que les Rémois font pas un mauvais match. Non, hein. Non. Manque de percussion peut-être un petit peu devant. Mais en tout cas, sur la débauche d'énergie et l'intention, elle est bonne. Attention, Gamboa. Gamboa un peu court. Ouais. Là, c'était pas évident parce qu'il avait anticipé devant le défenseur pour que le ballon aille derrière. Ce qui a fait perdre un petit quart de seconde à l'attaquant Rémois. Allez, Fofana. Ah non, on s'est pas compris, il est avec Brice Jovial. Bien joué de la part de lui. Allez, le ballon qui va derrière dans les pieds de Cédric Forêt qui va s'arracher pour aller sauver ce ballon peut-être, mais la touche. Il faut qu'il la laisse Cédric. Elle sera tout de même pour le Stade de Reims. Ils sont contents dans l'axe. Michan pour la remise en jeu avec Gamboa. Allez, Gamboa qui va les provoquer et obtenir un corner peut-être. Nestor fait un gros match derrière. Hein. Le défenseur Avré. Le voilà, Loïc Nestor, le Guadeloupéen de 21 ans. Très gros match depuis le début de cette rencontre. Lui aussi formé au club. Ouais. Des Ciels et Marines. Allez, le corner. Rémois frappé au tiré. Et la tête qui va venir mourir en sortie de but. Non, ça sera un autre corner. Ça sera un autre corner. Ouais. À la surprise générale, en tout cas pour les Havrais. Rebelote, il était bien tiré sur ce premier coup, attendant le second. Oh, il est bien tiré aussi. Bien frappé encore à la sortie, un petit peu raté là de Johnny Placide qui s'était aventuré dans sa surface. Johnny Placide, il s'est relevé vite en disant on m'a touché. C'est de sa faute. Non, la sortie était ratée là de Johnny Placide. Et après, il y a un Rémois qui reste au sol. Absolument pas faute. Alors qu'on revoit le centre fuyant là de Fortes en direction de Gamboa, qui est un tout petit peu court là pour venir pousser ce ballon en fond. Il a fait fin d'aller devant le défenseur pour aller derrière. Donc, mais pour une fois, Fortes avait bien fini le boulot sur un centre assez précis. Et messieurs, il y a du changement côté Rémois, sorti de Florent Ghisolfi, entrée de Thomas Gamiette. Buteur vendredi dernier de la tête. Thomas Gamiette. D'ailleurs, répondait à Ophélie en disant que bah lui, il pensait jouer le derby hein, vendredi. Oui. Bah, il va faire un bout de match ce soir. Allez, tac Alfred. Et ça, c'est bien joué. Ouverture à gauche. Gamboa, le beau contrôle. La bonne prise de balle de l'attaquant Rémois. Ghisolfi qui cherchait Fortes. Je pense que Fortes aussi commence à avoir un peu moins de gaz quand il commence à s'écarter et à se. Pas se cacher, on va dire, mais. Allez. Krikoviak qui est inlassable par contre au milieu de terrain. Voilà, c'est dégage une puissance ce garçon. Ah ouais, vraiment intéressant, hein, ce joueur de 20 ans, ce Polonais. Je ne serais pas étonné de voir peut-être dès la saison prochaine avoir un peu plus de temps de jeu du côté des Girondins de Bordeaux, puisqu'on vous le rappelle, il est prêté hein, par les Girondins ici à Reims. Et le retourné de Rivières, Krikoviak encore là qui est venu combler le trou. Et la sortie annoncée par Ophélie. Regardez, Fabien en bas de l'écran. Merci pour nos amis Lucas de nous envoyer ces stats. Beaucoup la différence. Beaucoup de passes de la part de. Ça s'accentue du côté des Rémois, mais pas d'efficacité. Ça veut dire qu'on use et qu'on abuse des petites passes latérales. Pour l'instant, peu performantes. Et la rentrée de Thomas Gamiette, le Guadeloupéen. C'est poste pour poste, hein, parce que Gamiette, à la limite, peut jouer un petit peu plus haut lui aussi, Thomas Gamiette. Qui était passé par le Paris Saint-Germain, Thomas Gamiette. Puis ensuite par l'entente Sadmo Sagracien avant d'arriver en 2008 hein, ici à Reims.
Gembo en puissance, le relais avec Fortes et Van Forêt. Forêt qui peut tenter sa chance peut-être. Le dribble de trop de Cédric Forêt. C'est surtout l'intelligence de Le Marchand qui ne s'est pas livré. Qui a fait obstacle au buteur et moi. Et attention en contre à vrai. Asanala. Ah non, qui cherchait Julien François qui était monté aux avant-postes. On sent que ça pousse. Hein. Ça pousse côté rémois. Allez, Fortes. Il y a de l'espace là pour Odeir Fortes, l'attaquant capverdien. L'appel de balle de Forêt, mais le centre n'est pas bon. Il n'arrive pas à les mettre à ras de terre. Et les appels de Cédric Forêt sont très bons à chaque fois. Vous avez vu la différence par rapport à Jovial tout à l'heure où le maître lui a mis je sais plus qu'est-ce qu'il lui a mis, c'était Fontaine. Oui, Fontaine, qui lui a mis un centre à la hauteur, à mi-hauteur, tandis que lui, Fortes, n'arrive pas à en mettre un au ras du sol pour Forêt. C'est ce qui fait toute la différence. Alors que les appels de Cédric sont bons. Hein. Et ouais, mais c'est ce qui l'agace aussi, hein, le numéro 9 et moi, parce qu'il n'a pas les bonnes munitions hein, pour. Venir aider son équipe. Si vous lui mettez des ballons comme Brice Jovial, je peux vous dire que les filets vont trembler, hein, c'est normal. C'est un buteur. Et je suis à côté de Florent Ghisolfi qui vient tout juste de sortir. Difficile de leur tenir tête, hein, c'est à vrai. Ouais, on fait pas une mauvaise première mi-temps. Malheureusement, on prend un but bête. C'est une mauvaise habitude qu'on a. Ensuite, là, en deuxième mi-temps, je pense qu'on est, mal rentré. On prend un deuxième, maintenant ça va être difficile, faut pas lâcher, c'est pas terminé. Si on marque un but, on va recommencer à y croire et on va pouvoir pousser pour essayer d'égaliser et pourquoi pas faire une prolongation. Vous ne lâchez pas, hein? Ah non, il faut pas lâcher, jamais. Merci. Ça va être compliqué tout de même hein, pour les hommes d'Hubert Fournier, pour être réaliste. Hein. Oui, parce que là, ils sont pas à l'abri de se faire contrer comme là. Christophe Viac qui peut perdre un ballon bêtement. Oula! Eh ouais, il y a eu un gros contact là, au niveau de la ligne médiane et un carton. C'est le deuxième. C'est le deuxième pour Romain Malfitano qui va rentrer directement au vestiaire. Ça va mal pour le Stade de Reims, déjà mené 2-0. Et réduit à 10 désormais pour ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Il reste 25 minutes à jouer. Et fin du match va être délicate. Mon cher Fabien, au-delà de ça, c'est pas bien grave. Bon, bah, il a fait la faute. Mais par contre, il doit faire un petit geste. Il est un peu jeune. Donc, il va falloir l'éduquer et lui dire qu'il peut être viré du terrain. Par contre, il peut aller voir aussi son adversaire à qui il a mis une sacrée semelle pour s'excuser de son engagement. Ça coûte 0 francs et ça fait un minimum. Ouais, parce que là, Julien François, lui, il reste au sol. Il a pris un bon tampon. Ils ont été tous les deux contacts. Lui est arrivé plus en retard. Ouais. Et le masque hein, sur le visage d'Hubert Fournier, évidemment. Allez. Les deux, ils vont. Ouais. Oui, il est très en retard hein, parce que Julien François joue le ballon. Il a le ballon d'ailleurs. Malfitano, lui, est en retard. Ça sert, c'est gratuit, mais il peut aller s'enquérir de la petite, de ce petit tacle. Voilà, la prochaine fois, il le fera, ou on lui fera remarquer qu'il fait très bien de sortir, mais il y a un minimum d'attention à avoir. Et la sortie de l'homme du match, c'est Brice Jovial. Oui. Auteur d'un doublé, une nouvelle fois ce soir, comme vendredi dernier à Deschazeaux. Le bourreau du stade de Reims qui cède sa place à Mamadou Diallo, l'ancien attaquant du Football Club de Nantes. Très très bonne initiative de la part de Cédric Dory. Brice Jovial, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour pas qu'il aille trop dans le rouge. Parce que vous savez, comme dans tous les buteurs, hein, quand vous avez marqué deux buts, vous voulez en marquer un troisième, puis après un quatrième. Donc vous faites les efforts et vous mettez dans le rouge. Allez, Gabon qui tente sa chance de loin. Ce n'est pas cadré. La frappe du gaucher du stade de Reims. Donc l'idée était très bonne de la part de l'entraîneur Avray. Bah, de le féliciter, de le reposer, parce qu'il a fait le boulot. Il a fait le boulot le vendredi, il a fait le boulot mardi. Donc pas besoin de l'emmener jusqu'à les 90 minutes pour le garder pour vendredi. Et il y a un match qui effectivement vendredi à Clermont hein, pour les Avray, pour confirmer cette bonne série. Pour l'instant, le Havre qui a remporté ses deux matchs à domicile en championnat, mais qui a perdu ses deux matchs à l'extérieur, bah, ça va les rassurer cette victoire. C'est peut-être un match, ouais. Loin de chez eux ce soir, à Reims, même si c'est un match de coupe. C'est un match de référence, en tout cas pour cette équipe tactiquement et physiquement. Mise en place parfaite, réalisme parfait. Et pour bien faire, il ne faudrait pas qu'il. Il y a une petite main, il y a une petite mémine. Il est bête parce qu'il n'allait pas prendre de biscotte et là il va en prendre. Et il va avoir droit malheureusement de la part de Monsieur Rémy. Il allait passer à la trappe et là
cette erreur de jeunesse. Ouais, carton jaune pour Sadi Pouadla. Alors qu'il allait passer à la trappe. Ouais, même s'il est capable, effectivement. Allez. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer, toujours 2-0 pour les Normands, qui affichent nettement plus de maîtrise hein, ce soir. Que les Rémois, plus de réalisme également. Le coup franc de Gamboa, Renan à l'ajuster. Hassan Ala. Et puis là, plus la fatigue va arriver, plus ça va être facile pour les Havrais, quoi, on va dire. Parce que c'est quand même les Rémois qui vont pousser pour essayer, devant leur public, de réduire le score le plus rapidement possible. Ils doivent être confrontés à des contres. Bien joué Fortes, bien joué Le Marchand aussi. Et ouais, c'est bien défendu. C'est bien défendu de la part de Maxime Le Marchand, ce jeune défenseur de 20 ans. Il a pris le dessus en seconde période, hein. Ah, très bien. Oui. En première, il était ballotté. Et un corner quand même pour les hommes du Berfournier. Joué rapidement par Gambo avec Takalfred. Le centre de Takalfred. Repoussé, non. Krikoviak. Avec Gamiette. Et Gamiette qui rejoue avec le Polonais. Bien joué Fofana, bien joué Fofana, attention. Et, ouais, et le contre qui s'enclenche. Ça on va le retrouver. Non, il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul. Bien Diallo sûr. Qui va, le manière, il va obtenir une faute. Et ouais. Une faute à un peu plus de 20 mètres à peine, là, peut-être, de la cage d'Emmanuel Martin. Et ça, ils vont être confrontés. Mais il a raison, le jeu, il a bien fait. Fofana a fait le... Il ne peut pas lui reprocher. C'est bien joué. Il a fait le travail pour Diallo, qui allait se retrouver à un contre un. Il a profité de l'appel de balle de Fofana pour aller provoquer l'axe central. Tout à fait. Très bien joué de la part des deux. Et là, un bon coup franc pour le pied gauche, certainement, d'Hassan Ala. Passeur décisif en première période. Qui mériterait pour son œuvre de la première période de marquer son petit but, lui aussi. Pour couronner son chef-d'œuvre. Ah oui. On peut parler de chef-d'œuvre, hein, je peux vous dire. Et si en plus il met un but, ça sera un match parfait. Allez, Hassan Ala, le pied gauche du Marocain, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la cage d'Emmanuel Martin. Ils vont être confrontés jusqu'à la fin du match, hein, à jouer des contres comme ça, les Rémois, c'est là qu'il faut pas prendre d'autres buts, hein, mais il va falloir prendre un maximum de risques, donc automatiquement, et un contre un, il va en avoir, mon cher Fabien. Allez, 20 minutes à jouer au stade Auguste Delaune, 2-0 en faveur des hommes de Cédric Dory, doublé de Brice Joël, qui a cédé sa place il y a quelques minutes, Mamadou Diallo. Et si Ophélie veut aller faire un petit coucou à Brice. Allez, Fortes, il a fait la différence. Voilà, cette fois-ci. Allez. Allez, Fortes toujours côté droit. Le centre de Fortes et un nouveau corner pour le stade de Reims. Il a une véritable sensu, c'est le maître. Hein. Donc en première mi-temps, il était lavé de la fraîcheur, ça passait, mais là. Excusez-moi l'expression, mais il a une espèce de morpion qui s'appelle le Marchand. Allez, changement. Voilà la rentrée de Lucas Do. Le voilà, le natif de Reims qui va remplacer Krikoviak poste pour poste. Hein. Ouais. Le corner de Gamboa, frappé deuxième poteau cette fois-ci, mais le ballon qui fuit et qui va mourir directement en sortie de but. Faut pas confondre Lucas et Mika, attention. Et puisque vous étiez impatient d'entendre Brice Jovial, eh bien je suis à côté de Brice Jovial. Rebonsoir. Alors vous êtes vraiment l'homme du match? Ouais, non. Faut pas dire ça, c'est tout le monde, je pense. On a encore fait un gros match. Il s'est pas fini. Hein. Il reste encore, on va dire avec les arrêts de jeu, 20 minutes. Donc un match n'est jamais fini, mais on a fait une bonne partie du boulot. Un peu le bourreau de Reims hein, quand même. Deux buts en deux matchs. Enfin, deux buts, ça fait quatre buts donc en deux matchs. Ouais, bah écoutez, apparemment cette équipe me réussit bien, donc je suis content et j'espère qu'on va pas prendre de buts. Et vivement le match retour, il doit penser dans sa petite tête, Brice Jovial. Ouais, voilà, vivement qu'il vienne à Auguste Delaune pour inscrire un autre doublé, pourquoi pas face au stade de Reims. Si à chaque fois le résultat c'est deux buts à chaque fois contre Reims. C'est vrai, c'est la fin du discours de. La Brice Jovial, c'est ne pas prendre de but. Hein. Effectivement, c'est la condition sine qua non pour que la soirée soit parfaitement réussie ce soir à Reims. Ah. Allez, Takalfred qui a fait la différence en retrait. Allez, Gamiette, joué. Peut-être. Oh, il avait la réduction du score là au bout du pied. Il a le corps en arrière, Thomas Gamiette. Il arrive
lancer le centre, même s'il est un peu fort, il est très bon. Il y a le petit rebond avant. Et si c'était un véritable attaquant, vous voyez, le corps, il est en arrière. Si c'est un véritable attaquant, alors ça, vous connaissez, Jean-Pierre Papin. Ouais. Ça, c'est pas trop loin. Bah, c'est là, pas trop va, loin dans votre... Voilà. Là, c'était au fond, voilà. Hein, JPP. Bon, bon. Voilà. Non, mais ça me rassure, parce que même si vous paraissez très jeune... Asana là dans le rond central. Avec Fontaine. Rivierez. Cherchait Mamadou Diallo, mais la touche elle sera rémoise. Ouais, mais dans le système de jeu qu'a mis en place l'entraîneur Havré, Cédric Dory, à l'extérieur, Mamadou Diallo, lui qui est un titulaire. On va dire indiscutable. Voilà la sortie de Marchand qui a fait un bon match. Hein, parce que lui, il était livré à. Il avait deux sacrés clients qu'il a su maîtriser. Mamadou Diallo, par rapport à Brice Jovial, il va avoir quelques soucis. Hein. Ouais, parce que ouais. On avait l'habitude de voir Mamadou Diallo évoluer en pointe et Jovial sur un côté. Ouais. Et la solution Jovial dans l'axe pourrait très vite s'imposer. Ouais, parce que regardez, ça donne des idées parce que cette période. De nouvelle saison, on l'a utilisé du côté aussi de Toulouse avec Braten, qu'on a l'habitude de voir à droite, et qui repositionné dans l'axe, et ben, fait merveille. Pourquoi pas l'installation définitive d'un Brice Jovial en attaquant axial. Alors que vous avez vu un maudit Traoré faire son apparition sur la pelouse d'Auguste Delaune, l'ancien défenseur de Valenciennes arrivé cet été hein, en Normandie. Gamiette. Allez, le ballon en profondeur en direction de Fortes. Il a beau s'appeler le TGV là derrière Fortes, il ne peut pas aller plus vite que le train, là c'est impossible. Ouais, d'habitude c'est 45 minutes hein, de Paris à Reims. Ouais, mais il ne faut pas la condamner cette équipe de Reims parce que. Même si elle est, bon, allez, bien sûr qu'il lui manque, parce que quand vous perdez 2-0 à domicile, il manque automatiquement des choses. Mais le contenu n'est pas si mauvais que ça. Un peu plus de réalisme. Et ils tomberont peut-être pas non plus tous les jours sur une équipe aussi fringante que le Havre ce soir. Il ne faut pas s'affoler hein, côté Rémois. Non, non, non. La saison vient à peine de débuter. Hein, ne pas mettre de pression inutilement sur les épaules d'Hubert Fournier. Et les joueurs en général. Allez, bien joué encore Fortes qui lui, voilà. Bien joué avec l'épaule qu'il faut. Allez, encore Fortes dans la surface. Il va insister pour servir au deuxième poteau. C'est pas mal. Et l'arrêt. L'arrêt de Joly Placide cette fois-ci. Allez, bien joué la part de Joachim Michan. Hop là, il a tout balayé. Ouais. Faute sur Diallo. Lucado. De Lucado. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, Xavier Gardel a tenté un petit jeu de mots avec Lucado. Et son frère Mika. Voilà. Mika, bon, cadeau pour ceux qui apprécieront le jeu de mots de Xavier. C'est ma rentrée. J'ai droit, on est encore au mois d'août, on a droit quand même. Voilà. On est considéré un peu en vacances, non mon cher Fabien? Voilà, c'est la reprise. Je l'ai trouvé très bonne pourtant. Alors qu'on renvoie la faute là. Hein. Oui. Sur Mamadou Diallo. Un beau balayage. Allez, Ishan. Voilà, bien joué. Qui va jouer, donc Ishan en direction de Gamiette. Vous regardez que ces équipes sont physiquement, regardez, il n'y a pas de trou, on voit personne avec les mains sur les hanches. Et il y a toujours la même intensité en deuxième période. Donc ça veut dire que les équipes sont bien préparées, déjà pratiquement à leur maximum. Ah, dommage. Allez, Fontaine. Très Pardo. Et Patrick Rémy qui revient à la faute dans le rond central. Le coup franc joue rapidement, trop rapidement même. Ça sera un carton jaune, un avertissement. C'est bien joué de la part de Fontaine. Du cadeau. Vous ne me regardez pas à chaque fois qu'on va prononcer son mot quand même. Ça veut dire que vous l'avez trouvé intéressante. Hein. Vous avez aimé. En clair, c'est ça. Vous avez du potentiel. Comme cette équipe du Havre cette année en tout cas. Allez, le coup franc d'attaque Alfred qui met le ballon dans la surface.
Oh oui. De Gamiette, oh là là. On était tout près de la réduction du score. Ah oui. Sur cette reprise de volée de Thomas Gamiette à l'entrée de la surface, qui passe vraiment pas loin, elle est contrée surtout. Elle était cadrée. Est-ce que c'est Nestor? Je sais pas si c'est Nestor qui l'a dévié au dernier moment, mais en tout cas, superbe reprise de Gamiette. Allez, Gamiette pour le corner. Il est bien tiré aussi. Frappé, la sortie cette fois-ci de Johnny Placide qui s'est imposé pour boxer ce ballon. Ça, c'était pas le geste idéal, hein, de la part de Gamba. On la revoit, la reprise de volée de Thomas Gamiette. Il était en difficulté, hein, Placide. Il était en difficulté. Ouais, parce qu'il était pris à contre-pied du coup. Ouais. Comme quoi, vous voyez, hein, ça avec un brin de réussite, ouais. Match, ouais, effectivement. C'est le brin de réussite pour l'instant qu'ils n'ont pas les Rémois, qu'il va falloir acquérir ou aller chercher. Parce que ça, la réussite, il faut aller la provoquer. Allez, Hubert Fournier, il n'y a pas que du mauvais ce soir malgré la défaite, il y aura du positif. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des belles intentions côté Rémois. Il ne faut pas s'inquiéter. Persévérant comme ça, puis à la rentrée, l'arrivée de Lucien Aubé, il y a Toudi qui va rentrer, il y a des joueurs qui sont importants. Granit qui reviendra un peu plus tard dans la saison. Et on attend un attaquant également côté Rémois. Le centre raté là de Joachim Michan. Elle n'a pas assez tourné, elle n'a pas assez d'effet, Joachim Michan. Il y a quelques courageux supporters havrais qui ont fait le déplacement, qui sont derrière la cage de Johnny Placide. Ils sont une vingtaine à être revenus de Normandie. On est souvent, quand on repart comme ça, quand on vient très peu, et qu'on est des fidèles et qu'on repart avec une victoire. Et ils vont attendre impatiemment les voilà, hein, les courageux supporters normands en tribune ce soir à Reims. Et ils vont attendre impatiemment évidemment le tirage au sort qui aura lieu lundi à France Télévisions à midi avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Ouais, on vous dit pas qui aura la main heureuse pour nous sortir des beaux chocs dès l'entrée de la Ligue 1. Ça sera une surprise. Exactement, deux invités surprises pour le tirage au sort. Avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, mis à part les équipes qualifiées pour les Coupes d'Europe, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire l'Olympique lyonnais. Également le Paris Saint-Germain, Montpellier, Marseille, Lille et la JOCR. Sinon, tout le monde sera là pour ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Attends des nouvelles sur les terrains, sur les prolongations. On va demander, dans le cas Régis, là, de nous donner des nouvelles. Parce que tout le monde attend le score. Vous attendez des nouvelles de Guingamp, c'est ça, Xavier, j'imagine. Voilà, c'est exactement ça, puisque vous avez été mauvaise langue. Et je serais fort heureux que Guingamp fasse un beau parcours en Coupe de la Ligue comme en Coupe de France. Et surtout une remontée immédiate pour ce club que j'adore. Faire un petit peu comme Reims l'année dernière, c'est de remonter immédiatement. Parce que c'est dur de s'enliser comme ça dans le championnat du national quand on est une équipe comme Guingamp et qu'on descend de la Ligue 2. Alors, on nous a signalé, mon cher Fabien, prolongation partout. À Amiens, à Ajaccio et à Guingamp. Oui, et quand on finit avec Guingamp, c'est-à-dire une remontée immédiate et puis après s'installer définitivement sur le haut comme s'il était avant. Je le souhaite de tout cœur pour ce club que j'adore et pour les gens que j'adore là-bas. Et que ce soit une erreur de parcours, cette descente. Et pour l'instant, on ne connaît que deux qualifiés finalement. C'est Boulogne-sur-Mer et Nîmes. Oui, c'était un tour compliqué, difficile. Et donc certainement le Havre qui va rejoindre ces deux équipes. Oui, là, je pense que là, je ne vois pas comment. Il reste 7 minutes avant la fin du temps réglementaire, Reims est réduit à 10. Parce que Bouadla, il a déjà un carton. Donc vaut mieux finir comme ça que tout à l'heure. Ça peut faire quand même, quoi qu'on en dise, même si le match il n'est pas si mauvais que ça, dirait moi, mais une expulsion. Deux buts quand même. Allez, de toute façon, c'est ce qui est parfait, c'est qu'il n'y a pas le temps de Grand Berger. Trois jours après, il y a le derby. Et là. Et tel que le bon remède pour repartir. Et ouais, car ça sera l'équipe de Jean-Marc Furlan. Ouais. L'Estac de Troyes qui viendra vendredi ici à Auguste Delaune pour le derby. Mamadou Diallo. En retrait avec Rivirez. Fontaine. Ah, bien joué Fontaine, c'est dommage. Qui recherchait Fofana dans l'axe. Allez Fauré, le contrôle de la poitrine.
Il est revenu au pressing, Cédric Forêt, c'est bien fait. Gamiette. Forêt, ouais. Voilà, mais là, Julien François. La faute de Cédric Forêt, là sur Julien François. Je peux vous dire que Julien François, il y a posé aussi un petit peu. Autant tout à l'heure, il a pris par Amalfitano, mais là, ouais. Là, il lui a posé. Ouais, et... ouais, il lui a posé avant. Ouais, Forêt aussi lui a pris un coup au passage. Oui, je parle de François qui a posé sur Forêt, ouais. Je peux vous le dire. Ouais, il n'y a pas des mots très doux là entre les deux. Ouais. Parce que c'est le même principe que tout à l'heure. Tout à l'heure, Amalfitano est arrivé en retard, mais là, François est arrivé en retard. Vous voyez ? Allez. On va avoir ce choc là. Allez, vous voyez ce que je vous dis ? Il y a une belle semaine aussi, hein, qui traîne. Hein. Oui. Oh là, attention, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Oh, Fabien. Oui, attention, il y a danger. Oui. Oh, le ballon vers le deuxième poteau. Oh là là. Il avait la balle de 3-0, Jean-Pascal Fontaine. Oh oui, il avait été surpris. Hein. Oh, mais c'est allé vite avec Maudier Traoré là, qui a déboulé côté gauche. Ouf. Là, il a envoyé la surmultiplié. Traoré, ouais. Le centre est bon, hein. Tout le monde passe à travers. Joachim Michan aussi, qui ouais. Veut dégager. Mais c'est pour ça qu'il est surpris, ouais. Jean-Pascal Fontaine. Oui. Hein. Attention à Forêt. Il a pas son contrôle, Cédric Forêt. Il pensait que Joachim Michan allait toucher ce ballon. Oui. Ce qui fait qu'il a été complètement surpris. Le milieu offensif réunionnais du HAC. Tagelfred qui va obtenir la faute. Et le point positif quand même, c'est qu'on voit des Rémois qui lâchent rien. On est à. Allez. Et qui continue à attaquer et à cavaler. Ça c'est positif dans la tête pour un entraîneur, malgré la défaite. C'est de ne pas voir son équipe renoncer. Voilà, l'ouverture vers Fofana. Bonne chance. Allez, le ballon récupéré par Boisdela. Boisdela qui leur a posé quelques problèmes. Hein. Fontaine et Boisdela sur les extérieurs. Le voilà Jean-Pascal Fontaine avec Fofana maintenant. J'aime beaucoup ce joueur Fofana. Et pour la route, un petit changement encore côté Havrais. Entrée d'Alexandre Bonnet et sortie de Jean-Pascal Fontaine. Allez, Gembo à le centre. Repoussé par Maudit Traoré. Do maintenant. Gamboa. Michan. Oh là, c'est vrai. Perte de ballon. Mamadou Diallo. Avec Fofana. Boisdela. Et un petit changement. Finalement, c'est Hassan Allah qui sort. Le voilà, Sanala. Et quand j'ai ressenti la balle de balle. Au départ, Mamadou Diallo. Ah, ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Ouais. Hein. Oui, parce qu'il était quand même un petit peu derrière lui, ou sur la même ligne, mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose. Pas grand-chose, mais il y a quelque chose. Il proteste pas trop, Diallo. C'est plus facile à 2-0. S'il y avait eu 0-0. J'ai une bonne nouvelle, Xavier. Je vous le dis ou pas à propos de Guingamp? Alors, il est qualifié, c'est ça. C'est pas fini, mais à 3 minutes de la fin, en avant de Guingamp qui mène 3-2. Et voilà. Face à Evian. Eh bien voilà, une équipe qui a de la ressource, hein. Les hommes de Jocelyn Gourvennec qui mènent désormais 3-2 face à Evian. Et peu, au passage, la rentrée d'Alexandre Bonnet qui est un superbe joueur. Féliciter cet homme-là, Hassan Allah, auteur d'un geste exceptionnel sur le but de Brice Jovial, a montré dans toutes les écoles, ah ouais, là, franchement, pas que françaises, européennes même. Il y a eu l'instinct de redonner ce ballon à Brice Jovial. Allez, ce centre qui va être capté par Johnny Placide normalement. Voilà. Mais voilà Johnny Placide, 22 ans. Victoire en costaud. Hein. C'est les Havrais, ils se sont déplacés ici en Champagne. Et a priori, ils vont repartir sans prendre de but. Ça, c'est une grosse satisfaction également. Il y a eu du réalisme offensif. Ils ont vraiment fait boire la tasse à. Oh, et moi. Du réalisme offensif, ouais. Et du réalisme défensif avec dans les deux surfaces de grosses performances. Non, mais physiquement ils sont déjà ils sont bien, oui, bien joué le bonnet. Mais on sent, c'est une maîtrise tactique au niveau du terrain avec un milieu de terrain très très dense côté Havrais et surtout super appliqué. La paire Fofana Julien François
et de très grosse qualité. Ouais, parce qu'il y a du volume de jeu hein, chez Gaïda Fofana, 400 de jambes. Ouais. Et, il amène beaucoup d'impact au milieu de terrain, ce jeune joueur. Et Julien François est très costaud devant, devant la défense. C'est ce qu'il manquait peut-être hein, du côté de, dans l'impact de notre jeu. Et on nous annonce 3 minutes de temps additionnel. Allez, 3 minutes encore. Superbe match. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intensité des garçons, surtout. Tac Alfred. Le décalage côté gauche vers Cédric Fauré. Gamboa. Avec Tac Alfred encore. Ishan. Toujours la recherche du jeu. Le ballon dégagé par Loïc Nestor. Ouais, Victor bien dans les pieds de dos. Nestor aussi dans l'axe central, il aura fait un match d'un haut niveau. Allez, donc encore 3 minutes à jouer. Ici à Auguste Delaune. Et le Havre qui se dirige tranquillement vers le troisième tour de la Coupe de la Ligue et peut-être aller se frotter à une équipe de Ligue 1. Et ce sont toujours des confrontations intéressantes, hein, ces matchs de Coupe de la Ligue pour les équipes de Ligue 2. Même de National. Rencontrer assez tôt comme ça des équipes du niveau au-dessus. De toute façon, on aura toujours une équipe de National puisqu'il y avait une confrontation entre Amiens et Bastia, il me semble, et qu'on arrive aux prolongations. Et Guingamp aussi, certainement, qui va poursuivre la route. Donc ça fera un deuxième avec les Guingampés. Tant mieux, ça apportera de la fraîcheur hein, dans ces 16e de finale. Le pied un petit peu haut de Mamadou Diallo, la faute signalée par Monsieur Rémy. Et c'est officiel, Guingamp qualifié, Xavier. Ah bah dites-moi. Guingamp qualifié qui rejoint donc Boulogne et Nîmes. Ouais. Et donc le Havre pour l'instant. Belle nouvelle du côté de la Bretagne. Pour le reste, c'est toujours prolongation. Avec des tirs au but à Amiens et Ajaccio. Hein, souffle Jean-François Kerkaert dans le quart. Dites-moi, il y aura un deuxième club de National. En tout cas, ce soir, deux belles équipes qui nous ont montré un bon match. Hein, bien vivant. Avec avantage, bien sûr, de la maîtrise et du score pour les Havrais. Auteur d'un match plein. Allez, Fofana. Il peut écarter côté gauche vers Maudit Traoré. Il a l'air d'avoir du jeu aussi, hein, ce Traoré. Tout à l'heure, il a fait un déboulé sur le couloir gauche. Et ses interventions sont sèches et efficaces depuis le début. Allez, Fofana qui peut servir Diallo en profondeur. Diallo face au but pour le troisième but peut-être. Le service vers Bonnet. Il a été trop altruiste, Mamadou Diallo. La différence en attaquant qui est un petit peu perte de confiance. Diallo et un attaquant qui tutoie les sommets, rue Jovial. Mais qu'est-ce qu'a fait Fofana, est fabuleux. Le piqué, la naïveté de la défense rémoise sur ce coup. Le petit piqué par-dessus et là, il a trop tardé. Il y avait, la place, il y avait la place pourtant par Mamadou Diallo. Un garçon en forme met le plat du pied façon Thierry Henry. Et hop, l'affaire est pliée. Mais pas de tergiversé comme ça. Allez, la dernière offensive de cette partie, la frappe Fontaine de Jean-Pascal Fontaine. Le Réunionnais du HAC a tenté sa chance de loin. Très belle, voilà, très belle partie. Voilà, le coup de sifflet final de Monsieur Rémy. Les sifflets malheureusement d'Auguste Delaune car le stade de Reims s'incline logiquement face aux hommes de Cédric Dory, face au Havre Athletic Club. Victoire 2-0, victoire sans aucune contestation finalement grâce à un doublé de Brice Jovial.